Exactement. Du coup, Localize est devenu une plateforme média omnicanal. On est aujourd'hui un acteur du location-based et on a la capacité depuis nos plateformes à activer du mobile, comme c'était le cas historiquement, mais également d'autres leviers comme du DOH, du desktop ou de la CTV. Aujourd'hui, le marché est en pleine mutation avec notamment le ralentissement, voire l'arrêt de la distribution des catalogues. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'annonceurs qui viennent nous voir finalement pour trouver des solutions palliatives à historiquement leur distribution papier. Donc majoritairement de la GSA, mais on travaille aussi avec d'autres acteurs sur les problématiques locales, avec notamment de l'automobile beaucoup. Donc on a beaucoup d'acteurs qui viennent nous voir pour leurs problématiques business, de génération de trafic notamment. Oui, puisqu'il y a vraiment un enjeu d'automatisation quand on parle de multilocal, mais si on prend la chose de manière un peu plus haute, finalement le multilocal, c'est prendre en compte les réalités territoriales dans les activations qu'on va faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'a aucun sens d'aller communiquer de la même manière sur une zone où j'ai 50% de marché, 50% de part de marché, ou sur une zone où j'ai 20% de part de marché. Donc le multilocal, c'est vraiment la capacité à prendre en compte les spécificités territoriales des lieux où sont implantés les différents points de vente. Et puis derrière, l'enjeu technologique, il est de pouvoir diffuser finalement une pub spécifique à chacun des magasins, de pouvoir aller cibler des audiences spécifiques sur chacun des magasins et de pouvoir mesurer l'impact de ma communication sur chacun des magasins. Donc aujourd'hui, on a effectivement développé un grand nombre d'outils qui nous permettent de gérer ça. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on a des clients qui ont plus de 1000 points de vente. En fin de campagne, on est capable d'automatiser 100% de la génération des bilans et donc de pouvoir envoyer 1000 ou 1500 bilans aux clients ou à 1500 points de vente.